Une visite guidée des locaux de MCRTV .fm a été effectuée par les élèves de CE1 et CE2 de l'école Havre de l'Excellence accompagnés de leurs responsables. Salle de rédaction, de production, régie radio et télé, studio radio-télé, sans compter les bureaux administratifs, sont là les compartiments visités par ces apprenants qui n'ont pas manqué de poser des questions en rapport avec le métier du journalisme. Ce que j'ai découvert ici, c'est que MCRTV est beau, magnifique. J'ai découvert la régie dentaire, la régie finale. J'ai découvert la production et la salle d'information. J'ai retenu les rôles de tous ceux qui travaillaient ici. Et je félicite le directeur et l'équipe de MCRTV. Ils nous ont bien reçus. Ils nous ont aidés à connaître comment on fait un journal. Le conseiller pédagogique de cet établissement scolaire, Giscard Malunga, évoque l'intérêt de cette activité pour ses jeunes élèves. Dans notre école, nous avons une politique que nous appelons la pédagogie de proximité d'apprentissage. Et nous sommes là, nous avons sur une sortie pédagogique, mais nous avons pensé faire cette, c'est-à-dire emmener les enfants à découvrir la magie de la télé. Qu'est-ce qui se passe à la télé? Comment depuis ici, de ce studio, les images arrivent dans leur maison? Et surtout que tous les enfants aiment la télé, les enfants aiment suivre les dessins animés, aiment des journalistes. Et peut-être parmi ces gens-là, il y a de ceux qui aimeraient faire ce métier-là. Donc pour nous, c'était l'occasion de les emmener, de voir, de s'habituer, de voir comment ça se passe. Comment un journaliste, qu'est-ce qui se passe avant qu'un journaliste emmène les informations à la télé? Qu'est-ce comme ils ont vu la cuisine, comment ça se passe, comment faire la récolte d'abord de l'information, le traitement, et avant qu'on soit à la diffusion, qu'on le reçoit. Donc ces enfants ont vu, ont visité, ils ont appris, et peut-être ça va réveiller des journalistes qui dorment en eux. Initiative louable pour une telle structure scolaire qui donne là la possibilité à ses élèves de découvrir à travers ce genre de programme la réalité de quelques structures de la place.